devenir quelqu'un. Concert de fortune, je traîne ma besogne, mes mots dans les bars, loin d'ici, de chez moi, de chez elle. Elle attend que je ramène un peu d'oseille. C'est vrai qu'il faut que je justifie de l'absence, que je laisse une chance, qu'elle pense que c'est un métier, un vrai, pas juste l'occasion de chanter, de me saouler. Saisis pas que c'est vital, une obsession frontale. J'ai trop besoin de puiser, de formuler, d'examiner ce qui se passe au fond des environs de mon âme. Chaque fois que je rentre lessivé, le camion entre les doigts pour fuser. Toujours la même affaire qui donne à penser. Toujours je me demande avant le coucher, vais-je devenir quelqu'un avant de partir? Ai-je déjà manqué le train de mon avenir? Des rêves plein la tête, l'ambition de requin. Je traîne mes lubies, mes envies, mes paris décalés, un côté en retard. Je me retrouve un peu désorienté. C'est vrai qu'il faut qu'à la faveur des grands soirs, je préfère le cambouis, le papier, les crayons à créer, à rayer, défaire et refaire ces petites phrases lancées. Il faudrait bien que je délaisse mes excès de paresse, perdu dans mes délires, mes angoisses, mon quotidien de pessimiste. Heureux, il me faudrait être un peu plus sérieux. Chaque fois que je rentre épuisé, la route s'allonge et côtoie la perpétuité. Toujours la même affaire qui donne à penser. Toujours je me demande avant le coucher, vais-je devenir quelqu'un avant de partir? Ai-je déjà manqué le train de mon avenir? Merci beaucoup.